Bonjour et bienvenue pour un exercice corrigé autour du noyau atomique et du cortège électronique. Voici l'énoncé. On considère l'atome dont on donne l'écriture symbolique, chlore 1735. Première question, quelle est la composition du noyau de cet atome? Deuxième question, quelle est la configuration électronique de l'atome? Troisième question, combien d'électrons de valence possède-t-il? Quatrième question, donner et expliquer la position de cet élément dans la classification périodique. Et enfin, dernière question, expliquer pourquoi le fluor de numéro atomique Z égale 9, de configuration électronique 1s2, 2s2, 2p5, a des propriétés chimiques proches du chlore. Avant de donner la correction, je vous propose de mettre la vidéo en pause, de prendre une dizaine de minutes pour rédiger et faire l'exercice, et puis de revenir après avoir fait l'exercice pour la correction. Correction de la question 1. Quelle est la composition du noyau de cet atome? Alors, on reprend l'écriture symbolique du noyau qui est chlore 1735 et on va l'exploiter. Le 17 signifie que le numéro atomique est 17, ce qui veut dire que le noyau possède 17 protons. Le nombre de masses, c'est A égale 35, cela signifie que le noyau possède 35 nucléons. Je rappelle, les nucléons, c'est à la fois les protons et les neutrons. Du coup, le nombre de neutrons est donné par la relation A-Z, il suffit de soustraire le nombre de masses et le numéro atomique. On a 35 moins 17, ce qui nous donne 18 neutrons. Ce noyau possède donc 17 protons et 18 neutrons. Question numéro 2. Quelle est la configuration électronique de l'atome? L'atome possède 17 protons, c'est ce qu'on vient de voir à la question 1. Il possède donc 17 électrons, puisque l'atome est électriquement neutre, il y a autant d'électrons que de protons. Selon les règles de remplissage, on a donc la configuration électronique suivante. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 et 3p5. Et si on recompte bien, on a bien 17 électrons. 2 plus 2 égale 4, plus 6, 10, plus 2, 12, plus 5, 17 électrons. Combien d'électrons de valence possède-t-il? Eh bien, les électrons de valence, ce sont les électrons de la couche externe. Selon la configuration électronique, question 2, on a 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. La couche externe est la couche numéro 3 avec 3s2, 3p5. La couche externe comporte donc 7 électrons. Les 2 électrons qu'on a sur la sous-couche 3s et les 5 électrons qu'on a sur la sous-couche 3p. 2 plus 5 donne bien 7 électrons. Question numéro 4. Donner et expliquer la position de cet élément dans la classification périodique. Alors, on reprend la configuration électronique, ce qu'on a vu à la question 2. On a 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. La couche externe est la couche numéro 3, ce qui signifie que le chlore sera sur la troisième période, la troisième ligne. Pour déterminer la colonne, il faut qu'on regarde la sous-couche. La dernière sous-couche occupée est la couche 3P. Du coup, le numéro de la colonne va être obtenu en ajoutant 10 au nombre d'électrons externes. Les électrons externes, on a vu qu'il y en avait 7. Ce sont les électrons de valence. Donc, on a fait 10 plus 7 égale 17. Le chlore sera période 3, ligne 3, et colonne 17. Vous pouvez vérifier dans une classification périodique, il est effectivement à cette position. Enfin, dernière question, question numéro 5. Expliquez pourquoi le fluor Z égale 9 de configuration électronique 1s2, 2s2, 2p5 a des propriétés chimiques proches du chlore. Eh bien, on regarde la configuration électronique du fluor. On constate que la couche externe, la couche numéro 2, est rempli de telle manière qu'on a 2s2, 2p5 et on retrouve la même configuration de la couche externe que le chlore. Lui, c'était la troisième couche, mais on avait 3s2, 3p5. 2s2, 2p5, 3s2, 3p5. Cela signifie que le chlore et le fluor vont être sur la même colonne.
Comme ils sont sur la même colonne, ils appartiennent à la même famille chimique, c'est la famille des halogènes. Les éléments d'une même famille chimique possèdent des propriétés chimiques proches. Voilà pourquoi le fluor et le chlore ont des propriétés chimiques proches. Voilà, c'est fini pour ce petit exercice autour du noyau atomique et du cortège électronique. J'espère que vous aurez bien retenu la méthode. Si vous avez apprécié cette petite vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait plaisir. N'hésitez pas à partager avec vos camarades qui auraient parfois quelques soucis sur ce type d'exercice. N'hésitez pas à commenter, faire des remarques, poser des questions dans les commentaires. Et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines vidéos. Merci et à bientôt. Et n'oubliez pas, la physique, c'est facile.